C'est un titre facile à retenir, c'est rythmé, moi je trouve ça assez joli, Shérif. Abdelhafid Metalsi, j'incarne le rôle de Kader Shérif. Il n'y a vraiment pas moyen que je m'inscrive à votre club ? Carole Bianic, Adeline Briard. J'ai la carte Smile. Professionnellement, je pense qu'Adeline représente le côté masculin dans tout ce qu'il y a de rationnel. Lui, il a un côté beaucoup plus féminin. Il va amener les gens chez lui, il va aller boire un café avec eux. Donc il y a ce côté féminin, masculin, et dans la vie personnelle, c'est l'inverse finalement qui se passe, parce que moi, j'ai été élevée avec mon père, lui avec sa mère. Il a perdu son père très très tôt, et il est père de famille, c'est-à-dire qu'il élève sa fille, qui est une adolescente de 14 ans, seule. 10 minutes de retard, il y a du mieux. C'est bon papa, alors tu voulais me parler de quoi ? Avec toutes les complications et les situations cocasses que ça peut amener. C'est dégueu, maman et toi vous vous parlez à peine, mais dès qu'il s'agit de me pourrir la vie... Si je t'avais dit qu'il y avait une soirée, tu m'aurais laissé y aller peut-être ? Tu veux me faire croire que vous allez réviser pendant que le frère d'Héloïse et ses potes font la fête ? Ouais, ça va, fais pas ton taliban. Je fais mon taliban parce que j'empêche ma gamine de 14 ans d'aller dans une soirée de mecs en 18. Mélès Bouzid fait un travail génial. Elle incarne le rôle d'une adolescente de 14 ans dans toute sa splendeur et son ambiguïté. Dans son désir de grandir plus vite, de vouloir devenir une jeune femme. Et en même temps, son père la regarde et il voit que c'est encore un bébé. Vous ne pourrez pas l'empêcher de faire ses propres erreurs. Si vous voulez rester proche d'elle, lâchez-la un peu, croyez-moi. Je vais lui apporter des petites solutions, des choses que je ressens quand je le vois perdu dans l'éducation de sa fille. Tout à coup, on voit ce type, Shérif, dans sa famille. Et là, il n'y a pas de code de procédure pénale. Là, c'est la vie. Parce que quand il fait son métier de flic, il est un peu borderline, il contourne un peu la loi parce qu'il est intelligent et qu'il sait comment il faut faire. Mais avec sa fille, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de livre où on apprend à être père. Tu dois être irréprochable, Sarah. En tant que fille de flic, fille de beurre, tu dois être irréprochable. Je suis super fier, en tant que Français d'origine maghrébine, d'être un des premiers sur le service public à défendre un rôle principal, parce que je suis juste au diapason de la société française. On est la France, tout ce temps qu'on est ici. Et Dani, ne prends pas tes désirs pour des réalités. Amicalement, votre épisode 2. C'est pas dans cet épisode-là.